peu de pression là. Ouais, tu peux même pas savoir. J'ai déjà fumé au moins 3 clopes avant le départ. Non, non, j'en ai pas. C'est pas bien ça. J'en ai pas du tout. Va falloir frotter là. Ouais, c'est pas un souci ça. C'est pas moi qui pilote. Pas trop dégoûté de pas avoir été sélectionné là pour faire la course. Ah non, attends. C'est les champions qui sont. Bernard, pas trop de pression avant la course. Ouais, 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 énorme pression. Va falloir frotter là. C'est pas moi qui conduis, donc c'est. Et vous avez utilisé quel braquet? Ah, je sais pas. Pas trop de pression là avant la course? Ah si, là je commence à avoir la gorge nouée, tout ça là. Non, non. J'ai confiance en mon cheval et puis surtout ma joquette. Hein. Et vous avez utilisé quel braquet là pour la course? Bah là on a mis quoi? On a 4 carbone, tu vois? 4 carbone. Étrier carbone, ouais. Tiens, je te montre ma machine. Allez, montre. 4 carbone, étrier carbone, garde-boue carbone, roue lenticulaire. Et pour là on a descente. Mais est-ce que ça fait le poids? Eh, là on a moins de 10 kilos la bête là. Tout en carbone. J'explique, roue lenticulaire, garde-boue, étrier. C'est le carbone aussi avec un petit peu de mousse pour ton petit cul, tu vois. Attelé au cheval et c'est parti quoi. Avec ça tu gagnes 15 courses par an mon gars. Quel 55, 11 le braquet mon gars. C'est énorme. Ils sont à 60 à l'heure au trot, comme ça tu sprintes à 75, 80. Quand c'est l'arrêt, ils rivalisent pas là. Eh t'as la classe avec tes. Allez Bernard. Allez Sylvain, allez, allez. Faut passer le gros plateau là. La pression Roger? Oh, pour l'instant ça va. La course. Cette pouliche de bout en bout, elle le fait très bien. Ouais, c'est une bonne biche. Bah, j'avais des galopins, hein. Pour quelle raison? Je sais même pas. Félicitations pour cette victoire, Sébastien. Je pense que Tony veut gagner là dans la dernière ligne droite. Ah, il peut, mais bon. Parce que la confiance va être là. Parce qu'il a une bonne pointe de vitesse, Tony. Ah, il a une bonne pointe de vitesse, mais bon, là, cet hiver, il s'est un petit peu laissé aller, on va dire. Est-ce qu'il sait que le trophée en réalité se joue ce soir et pas la saison? Il va falloir lui dire, parce que Félix. Il a pris maintenant deux longues en avance, il va peut-être aller au bout de son effort, Bernard Tenet, tu vas pas te résister, Bernard Hibon, tu vas bien, Bernard Tenet, Bernard Hibon, et il est sur le tir. Ah, Tony, troisième, hein. Et quatrième, quatre. Bernard Tenet s'impose. Ouais, il a attendu la dernière ligne droite, mais peut-être un petit peu trop. Voilà. Merci. Voilà. Ouais, on n'a pas eu de chance. On a l'esprit de décision. Ça pour la prochaine. Roger, ça fait quoi de reprendre la course? Ah là, ça va, c'est pas trop difficile. Bonne expérience. Tony, ça fait quoi de courir contre Bernard Hinault et Bernard Tenet? Est-ce que tu pensais faire ça un jour dans ta vie? Non, c'est vrai. Heureusement que c'était comme en cheval, parce que sur le vélo, ça aurait été plus compliqué. Ça a été, ça s'est bien passé. Ils sont légers aussi. Ils sont légers, ils connaissent bien le truc, c'est un peu pareil que les chevaux, ça s'est bien passé. Ça, c'est sympa.